les coups de cœur et les coups de gueule, Jean-Luc de 45, vous avez un gros coup de gueule à passer. Tout à fait. Je suis pas content. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de me faire avoir, je me suis fait arnaquer par TF1 vidéo. S'il vous plaît, messieurs, dames. Tout à fait. Je suis allé dans un supermarché acheter ce DVD que voici là, vous l'avez vu. Voilà. Anna Nicole Smith. Voilà. Et ben elle est même pas dedans. Voilà. Donc j'ai regardé le début du film, elle n'est pas dedans. Ce n'est pas Anna Nicole Smith. Vous voyez cette blonde là, c'est même pas une blonde, c'est une fausse blonde, c'est une brune. Voilà. Donc on nous prend pour qui là chez TF1 vidéo? Hein? Je vous annonce s'il vous plaît que ce film d'1h23 là, eh ben elle est même pas dedans. Voilà. Donc gros coup de gueule contre TF1 vidéo. 1 euro. 1 euro j'ai perdu s'il vous plaît monsieur Jean-René Latope. C'est pas n'importe quoi s'il vous plaît. Donc je vais aller me faire rembourser. Je vais aller de ce pas me faire j'ai mon ticket de caisse. Je vais aller récupérer mon euro les amis parce que faut pas me prendre pour un jambon moi. Anna Nicole Smith, elle est même pas dans le DVD. Donc ne l'achetez pas hein. Hashtag boycott. Voilà. Ça c'était le coup de gueule de la rédaction. C'était le coup de gueule et et donc moi un gros coup de gueule également contre Moustique qui est un journal papier belge. On embrasse nos Belges qui ont sorti un article c'était samedi dernier en disant que j'étais atteint d'une maladie grave et condoléances. Merci Jean-Luc de 45 et également que il me restait 2 ans à vivre. Alors, pour vous rassurer que tout va bien, je ne vais pas mourir, du moins je l'espère pour l'instant. Pour l'instant, hein. Pour l'instant, ce serait bien que je ne meure pas. Et tout va bien, les amis. Et donc, il y a de la fake news, ce qui est totalement faux, car si vous avez un problème ou vous avez un scoop, venez plutôt nous parler, nous, que de sortir de la merde. Et votre papier est complètement de la grosse merde. Et vous avez sorti une nouvelle info que j'allais animer dans Sacré Star qui est également complètement faux. Et on vous en parlera dans quelques minutes. Vous êtes des gros... Oh non. Si. Pas de gros mots. Je pèse mes mots. Non, pas de nom d'oiseau à l'antenne, s'il vous plaît, monsieur Lato. Je pèse mes mots et je... Et voilà, parce que derrière ce que vous faites, il y a également des gens derrière qui peuvent être blessés. Des amis et de la famille. Il y a des gens qui souffrent. Comme des fans de cette émission. Qui m'ont envoyé des messages, donc vous êtes des vrais et des vrais. Comme pour le DVD que Jean-Luc de Carreau. Faut pas l'acheter! Voilà. Et il est pareillé. Hein. Il est pareillé, vous l'avez pas regardé? Je précise qu'il est pareillé. Je l'ai regardé que 2 minutes. Donc si quelqu'un veut me le racheter, 1 euro les amis, je vous l'emballe, je vous fais un papier cadeau. Je vous Elle est belle, hein. Voilà, et un coup de cœur pour calmer le jeu. Contre, un peu d'amour. Contre la gendarmerie de la Garche qui nous a soutenus dans l'affaire qu'on vous avait parlé la semaine dernière de la plainte de Méouel. Nous souhaitons leur remercier de ne pas avoir, en tout cas d'avoir lancé. D'avoir réglé l'histoire. Voilà. Tout simplement de l'avoir réglé et de continuer les poursuites. Je vous en remercie. Gros soutien. Beaucoup et merci à tous d'avoir suivi ces coups de gueule. Merci. Voilà, force et honneur les amis, et on est avec vous. On lâchera pas l'affaire. Merci. C'était les coups de gueule, les coups de cœur de Mike.